Eh bien salut tout le monde, c'est Chopper3131. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Déjà je voudrais m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant 2-3 semaines, c'est vraiment que j'ai pas eu le temps. Et puis parce qu'il y a eu les vacances aussi. Donc voilà, il y aura une vidéo ce vendredi et une vidéo évidemment que vous regardez en ce moment. Voilà, donc j'imagine que tout le monde a entendu parler du FantaXU 3, c'est un concours auquel je souhaitais participer. Pour ceux qui connaissent pas les règles, n'hésitez pas à taper FantaXU 3 sur internet, vous trouverez évidemment. Et donc je souhaitais participer pour la team de McFly et Carlito. Je sais pas si tombant sur la vidéo, mais je compte sur vous pour essayer de partager la vidéo pour que ça arrive peut-être jusqu'à eux. Parce que je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai pas pu finalement y participer. Certaines personnes ça intéresse pas du tout ce concours, mais voilà, je veux juste vous expliquer ma participation. Tout d'abord, avant de commencer mon explication, ma vidéo de FantaXU 3, je l'ai publié aujourd'hui, le lundi 25 mars, c'est-à-dire 2 jours finalement en retard par rapport à la date limite. Donc évidemment, je ne peux pas participer. Malgré tout, j'avais quand même fait un montage et un tournage qui m'a pris un petit peu de temps. Alors tout d'abord, il faut que je vous explique pourquoi je n'ai pas pu participer, c'est un peu le principe de la vidéo. Je suis un élève de Terminal S, donc forcément, j'ai pas trop le temps finalement de tourner la vidéo et je pensais la tourner un petit peu avant, donc c'est-à-dire un peu ric-rac au niveau de la date limite prévue. La date limite c'était dimanche du coup, dimanche 24 mars, et donc ce que j'ai fait c'est j'ai décidé de tourner la vidéo jeudi. Je l'ai fait, il n'y a pas eu de problème. Donc j'ai décidé de faire, de finalement monter la vidéo le lendemain, c'est-à-dire vendredi. Le problème évidemment c'est que vendredi, j'avais un DS le lendemain, c'est-à-dire un DS du samedi, et forcément c'était un gros DS, donc j'ai un petit peu révisé finalement, même si j'avais déjà révisé de base toute la semaine, et la semaine a été chargée d'ailleurs. Donc j'ai bossé, et le lendemain, donc je me suis dit, je terminerai un peu à temps, puisque j'ai juste finalement à la publier, la vidéo. Le problème, ça a été que moi, le samedi, j'ai été très ric-rac, d'ailleurs j'ai eu mon entraînement de tennis au passage, je pense que tout le monde s'en branle, mais voilà, c'est juste pour montrer que pourquoi j'ai pas pu la publier. J'ai pas pu la publier samedi, et la date en fait, moi j'avais retenu dans ma tête que c'était le 24 mars, au maximum. Le problème c'est que le 24 mars n'était pas inclus, et je pensais du coup juste poster la vidéo, parce que finalement j'avais fini de la monter, mais trop tard. Le soir même, je regarde pour le FantaXU parce que j'avais un petit doute, et en effet ben là je m'aperçois que je ne peux pas, que je ne peux plus participer, que je suis éliminé. Après, dans un certain sens c'est pas hyper grave, je m'en remettrai hein, de toute manière hein, tout le monde s'en remet, c'est pas hyper grave, mais voilà, c'est dommage parce que je voulais vraiment essayer de participer, de voir si je pouvais être qualifié. Je me doute bien qu'avec mes études j'aurais pas forcément pu aller jusqu'au bout du projet, mais voilà, je voulais voir si j'avais finalement les talents pour intégrer le FantaXU, parce que peut-être que je me concentrerais peut-être un peu plus pour le FantaXU 4, je verrai. Donc voilà, moi je trouve ça dommage. Et le dimanche, bah, je me suis dit, allez, au cas où, peut-être que McFly et Carito, ils peuvent m'accorder un jour de plus, tu vois, vraiment, parce que c'est ric-rac. Mais malheureusement, j'ai fait une opération, une manipulation sur YouTube, qui a fait que, en transformant mon compte en un compte de marque, j'ai pas pu poster ma vidéo tout court, alors que je l'avais clairement montée, j'avais tout fait. Donc forcément, j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit vraiment, là c'est fini de fini, je peux pas. Donc voilà, aujourd'hui je fais une vidéo explicative pour expliquer pourquoi j'ai pas pu sortir ma vidéo, même si personne vraiment n'était au courant, à part une certaine personne que je ne citerai pas, qui se reconnaîtra. Et ouais, voilà, donc je trouve ça dommage. Donc je publie cette vidéo un peu pour essayer d'avoir une dernière chance, même si je sais que cette dernière chance, je l'aurai peut-être pas. Et voilà, j'aimerais juste que vous partagiez un maximum cette vidéo, parce que j'aimerais tout de même que McFly et Carito la voient, même si je sais que bah forcément je suis déjà aligné. Merci quand même à vous, McFly et Carito, si vous regardez la vidéo, et merci à ceux qui la regardent maintenant. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur FantaXU, qui dure 59 secondes 63, donc c'est-à-dire que c'est dans les temps, puisqu'il fallait faire une courte vidéo de 1 minute avec une canette de Fanta. Donc franchement, je suis déçu. Je pense que c'est la déception qui me prend, parce que vraiment, je me suis dit que je tournerais voilà un soir, et donc ça me fait un peu que j'ai, ça fait comme si j'avais perdu finalement le jeudi soir, et je trouve ça dommage. Et donc, écoutez, j'ai pas vraiment autre chose à rajouter, si ce n'est que je suis déçu, et puis
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai mise en non répertorié sur ma chaîne. Si suffisamment de personnes la voient, je la mettrai peut-être en public, je verrai. Et donc voilà, malheureusement, en plus finalement des complications que j'ai eues, j'ai pas pu vraiment, réellement, concrètement intégrer une canette de Fanta dans la vidéo. J'ai intégré une canette que j'ai trouvée sur internet parce que déjà c'est un peu compliqué pour moi d'aller au supermarché, d'aller acheter une canette de Fanta. Mais en plus, déjà, le fait que je ne consomme pas de canettes de Fanta, j'aime pas trop le Fanta, je le dis d'ailleurs dans la vidéo à la fin. J'aime pas le Fanta, je préfère le Coca, mais bon, c'est pas Coca XU, donc bah, c'est un peu compliqué. Et puis vraiment, personne dans ma famille n'aime le Fanta, donc c'est un peu compliqué. J'essaie de demander à mon entourage, vraiment de mes copains et tout, d'aller de voir s'ils peuvent trouver une canette de Fanta, s'ils voient quelqu'un qui l'a fini ou je sais pas quoi. Mais bon, j'imagine qu'ils n'ont pas fait une recherche intense et on n'a pas pu finalement. J'ai pas pu finalement obtenir une canette de Conca, de Fanta concrète. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo encore et puis on se retrouve en fin de semaine pour un let's play de Fallout Shelter. Ciao!